petit prix. J'attendais pas du tout à ça. Si elle, elle peut le faire, alors pourquoi moi je peux pas? Oh, ça va aller. Oh non, ça me dex. Je suis choquée là. Non, mais là, c'est trop là. Hello, la Dozo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est chill, j'allais dire on est toute seule mais absolument pas, il y a le petit qui est malade, je vais chez le véto ce soir, on est avec petite bug que vous voyez juste là et on a ma petite tasse avec du café. Non, c'est ta faute que Mustang il est blessé, c'est elle qui a griffé Mustang donc je suis pas très contente. Ok, je suis toute seule chez moi mais dans le fond on n'est pas tout seul, ok. Alors, la petite idée de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, j'ai déjà fait un épisode 1 qui vous a grandement plu. Donc du coup je vais refaire un petit épisode 2 et je suis trop contente parce qu'en fait comme les fêtes de fin d'année sont passées, je me dis si jamais vous avez peut-être passé une petite soirée, je sais pas, entre potes un peu alcoolisés ou quoi, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais je me dis il faut trop que j'écoute vos vocaux pendant qu'on est encore dans la période de début d'année parce que ça tombe, je vais avoir des pépites. Donc je me suis pas fait spoil, on verra bien ce que j'aurai. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, prenez un petit café, un chocolat chaud, un thé, peu importe. Posez-vous parce que cette petite vidéo, ça va être chill. C'est parti, j'ai envie de dire générique! Vous avez vu les gars, j'évite de dire ça gaz parce qu'en fait, dans mes commentaires, il y en a, ils m'ont dit ouais, Pete, ça gaz, c'est démodé. Du coup, je vous ai dit ça va parce qu'apparemment, ça gaz, c'est démodé. Pour revenir à Petite Doudouce, ils se sont battus hier avec Tiff pendant qu'ils étaient en train de manger et Bug a sauté sur Tiff. Et elle lui a crevé un œil, enfin crevé. Il me fait mal au cœur le Tiff, hein. Il est en train de dormir. On va chez le véto ce soir. Eh bien figurez-vous que je vais dans mes invitations par message et je vois Hamza, il vient de m'envoyer un message vocal. Pur hasard, on est 14h18, il m'envoie un message vocal à 14h16. Voyons voir ce que Hamza a envie de me dire. Salut petit, c'est génial, continue comme ça. Hamza, il fait la sieste ou quoi là? Merci beaucoup Hamza, ça me fait plaisir. Oula, j'ai un petit message vocal de Béa. Bonjour Pidi, je voulais juste te dire que je te souhaite du bonheur et que bah continue comme ça, il n'arrête plus rien, genre voilà, vous la team pourtant, vous êtes les best. Ça me fait rire parce que en fait au vu de leur voix j'ai l'impression que c'est des jeunes alors que quand je regarde ma tranche d'âge sur Instagram, principalement 80% des gens c'est entre 18 et 24 ans. Au vu de sa voix, on dirait une plus petite fille. Alors bah merci beaucoup Béatrice, ça me fait plaisir. Chez Antonio. Bonjour Pidi, je m'appelle Antonio. Est-ce que je pourrais faire partie de la team Croton, s'il vous plaît, je vous suis tous les jours. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demandent ça, mais comment ça, moi je recrute les gens, moi je suis personne, moi. Déjà à la base, je faisais même pas partie de la team Croton, c'est parce qu'en fait je suis avec Valouz que bah du coup on m'a un petit peu inclus dans le truc, mais à vrai dire, moi à la base j'étais pas du tout dedans les gars. Coucou Pete, j'espère que tu vas bien, c'est un petit coucou du Québec. Oh c'est ce que j'allais dire, c'est un coucou du Québec ça, j'adore. Ce matin, parce que ça, j'avais envie que t'entendes que même de l'autre côté de l'océan, il y a quelqu'un qui te kiffe, quoi. Parce que du coup, moi, présentement, ça va pas très bien. Oh. C'est super cool de voir quelqu'un qui fait autant sa live sur les réseaux. Puis moi, ça me motive du coup à continuer ce que j'aime faire, quoi, sur les réseaux. J'ai commencé TikTok il y a quelques semaines. J'ai 900 abonnés où je fais du chant, où je vis de ma passion, quoi. Et si elle, elle peut le faire, alors pourquoi moi, je peux pas? C'est vraiment cool. Continue ce que tu fais, t'es la boss. Bisous. Mais what the fuck, mais je suis choquée, mais franchement je vous jure, c'est la raison pour laquelle je partage ça avec vous, parce que en soi, il n'y a rien de plus gratifiant, et le fait que pourquoi j'ai toujours le sourire, ben c'est aussi en partie pour ça, et je suis choquée du message vocal que je viens de recevoir. Alors je sais absolument pas si les personnes ont vu le premier épisode, du coup s'ils se disent ah vas-y moi aussi je vais envoyer un message vocal à Pidi, mais what the fuck, je vais répondre, je vais lui répondre là, hein. Coucou. Ben écoute, je viens de tomber. Non mais je viens de lui faire un message vocal où j'ai clairement roté là. Profite bien, pardon, je viens de boire mon café. Oh ça va, il n'y avait pas d'euros. Je voulais aller un petit peu plus loin pendant les fêtes de fin d'année, mais je me rends compte que je slide, et au final je suis toujours à hier. Oh
Pidi, je te fais un petit vocal pour te dire que je t'adore et que continue comme ça parce que ouais, j'adore tes vidéos. Vraiment la meilleure, meilleure, meilleure. Et je te souhaite que du bonheur dans ta vie et je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Bisous. Merci, mais en vrai, je suis choquée, là, il y a trop de bienveillance. Il y a trop de bienveillance et il y a trop de mignonnerie, là, dans vos vocaux, c'est un truc de ouf. Oh, mon nounou. Ouh. Vous avez vu comme il a mal à l'œil, il se défend de ouf, genre il a peur. Je vais pas te faire de mal. On va chez le veto ce soir. Est-ce que tu connais un site où on pourrait acheter des Yeezy 350 à petit prix? Je suis morte, je m'attendais pas du tout à ça. Des Yeezy, bah moi généralement j'en ai que deux des paires de Yeezy. Et je te réponds là si jamais tu regardes la vidéo. Je les ai achetées sur Adidas parce que j'ai participé au jeu concours. Tu les payes en fait, mais tu participes pour les recevoir. Et Sheikh Val sinon il les achetait sur StockX. Si jamais. Après à petit prix, je sais pas du tout c'est quoi les prix, mais Ah je suis morte. Bah le tif, je trouve plus trop de messages beaucoup là, dit. Maël, il m'a carrément envoyé une vidéo, il m'a dit « Meilleure vidéo pour toi ». Lui, le 1er janvier à 1h du matin, il était avec ses potes et il était en train de s'enjailler sur sa vallée. Bonne année, Pidi. Je te souhaite plein de bonnes choses avec Valouz et les deux petits, vos deux petits-enfants. Et puis plein de bonnes choses pour 2022. Puis bisous partout. Oh, ça va aller. Oh non, ça me dex. Bon, c'était 1er janvier, il était minuit. Hein. Salut Pidi, je te souhaite une très bonne année. Même si tu me connais pas, je suis un abonné. Et j'adore ce que tu fais. J'adore tes vidéos. Continue comme ça. Et voilà. Petit message de soutien. Bah merci Kaizot, hein, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hein. C'est fou parce qu'en fait, en soi, quand on poste des vidéos, bah, parfois on regarde, et même souvent, enfin principalement, on regarde si la vidéo elle fonctionne ou pas. C'est pour savoir en gros si jamais vous avez aimé ce concept-là et si jamais potentiellement on peut le refaire par la suite ou pas. C'est la raison pour laquelle je vous refais cet épisode 2 parce que le premier vous l'aviez kiffé. Et du coup, on regarde beaucoup les chiffres. Même des fois quand notre vidéo elle est classée 10 sur 10 et que pour nous elle semble pas avoir marché, et c'est quand même ouf parce que quoi qu'il en soit elle est quand même vue plein de fois, 30 000 fois, 50 000 fois, mais c'est énorme. Je me dis qu'il y a 30 000 personnes des fois, ils sont sur cette vidéo et ils la regardent. En fait le fait là d'écouter les messages vocaux, c'est là que tu te rends compte que mais c'est pas des chiffres en fait, c'est des vraies personnes qui sont derrière ta vidéo. Et là même le 1er janvier à minuit et demi, il t'envoie ça. Bonne année Pidi, t'es la meilleure. Et si t'es pas au courant, bah je suis en train d'écouter une de tes vidéos sur YouTube. Dis que tu vois. Et je vous dis en vrai des fois quand... T'inquiète, je suis abonnée, je like. T'inquiète, je suis abonnée, je like. Bah franchement, merci beaucoup Jules. T'es le boss, t'es abonné et en plus tu mets des likes. C'est parfait. Bisous. Bonne année Pidi le boss. T'es dans ta folie ce soir, non? T'es dans ta folie ce soir parce que, parce que c'était le 1er janvier. Oh punaise, il n'y avait pas que ce soir-là que j'étais dans ma folie. C'est généralement, les gars, je suis toujours un peu... En fait, je suis dans mon monde. Pidi, t'es la boss. Et bonne année. Je te souhaite une bonne santé comme tu le dis toujours avec tes vidéos. Bisous. Bah en soi, les gars, pour ce second épisode, il y a principalement eu que de la bonne vibes. Pidi, bonne année. Ouais, des enfants croutons. Non mais là c'est trop là. C'est trop. Bonne année. On t'adore. Mais vous me tuez de rire. Bah en vrai que de la bonne humeur. Alors peut-être que ça a changé les choses avec ma première vidéo en soi. Peut-être qu'ils se sont dit putain ouais en fait des fois on dit notre haine en messages vocaux. Mais ma foi des fois la go elle écoute et du coup ça craint peut-être, je sais pas. Et peut-être même pas que envers moi au final. Faut que vous sachiez aussi que bah parfois bah, même si c'est les réseaux ou même si c'est il y a un ordi qui nous sépare etc. Bah que derrière il y a des vraies personnes. Même si vous n'aimez pas la personne, bah tracez votre route et perdez pas votre temps à le lui dire. En vrai, garde ton temps pour les personnes que toi tu aimes et que tu kiffes et ça sert à rien que tu perdes ton temps à critiquer les gens parce que bah ça te fait pas avancer en plus de ça. Donc ça a fait peut-être changer les choses, je sais pas. Peut-être que c'est uniquement les plus jeunes qui envoient des messages vocaux et que du coup ils sont grave à l'affût et tout parce que c'est principalement des jeunes. Je trouve ça cool en vrai. Il y a eu que de la bonne humeur, de la good vibes. C'était super cool. Et puis bah je vous donnerai des petites nouvelles fraîches du ptif. J'espère que malgré tout vous avez kiffé cette petite vidéo même s'il n'y avait pas forcément de croustilles.
croustillant. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour et de la force et je vous en remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à dimanche. Ciao.